Ça vous fait YouTube, je suis Suzuki et je suis content de vous retrouver pour une vidéo à propos d'Amazon quand vous êtes ultramarin. Alors ce que je dis est valable pour la Martinique, je ne sais pas si c'est valable pour la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. On peut supposer que oui. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, depuis la fin de la semaine dernière, Amazon, ils ont décidé de ne plus livrer voilà, en Martinique. Et plus aucun produit, tu vois. Parce qu'avant, tu pouvais encore te faire livrer des jeux vidéo, des livres. Je crois les smartphones aussi. Enfin, ils avaient même agrandi. À un moment, tu pouvais même te faire livrer presque tout ce qu'il y avait sur Amazon. Et là, maintenant, ils ont décidé d'arrêter. Par exemple, Bravely Default. Voilà. Qui s'annonce excellent. Hein. D'ailleurs, il faut que je fasse un let's play sur la démo. Enfin, je veux tester la démo et on va faire un let's play là-dessus. Eh ben, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, voilà, ça me dit cet article ne peut être livré à l'adresse sélectionnée. Veuillez choisir une autre adresse différente. Sachant que mon adresse, veuillez, est marquée Fort-de-France. Parce que c'est. C'est Martinique, voilà. Et en Martinique, là, je peux plus me faire livrer. C'est-à-dire, même si je fais précommander maintenant, ça me dit de choisir un autre vendeur. Et les autres vendeurs, ils livrent pas en Martinique. Donc c'est génial. Et pour vous montrer que c'est bien ça, c'est que si je prends le code à télécharger, là oui, il n'y a pas de souci, là je peux l'acheter parce que c'est un code à télécharger. Là c'est le premier point. Deuxième point, c'est que hop, on prend Atelier Risa, voilà, vendu et expédié par Amazon, pourtant je ne peux pas me le faire livrer. On va essayer les livres, effectivement. J'ai pas testé les livres. Je sais pas si c'est lié aux jeux vidéo, mais je pense honnêtement pas. Hein. Je pense que c'est juste. Attends. Artbook Cyberpunk. Et ça, c'est dommage parce que j'aime bien commander des artbooks et tout. Et le monde de Cyberpunk, voilà. Expédié et vendu par Amazon. En fait, on peut se faire livrer des livres. Parce que j'ai pas écrit de restriction. Je peux me faire livrer des livres. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle déjà. D'ailleurs, celui-là, il va falloir que je l'achète, hein. Va vraiment falloir que je l'achète. Mais par contre, les jeux vidéo, là, c'est mort. C'est-à-dire tous les jeux, mort de chez mort. On va aller voir le top vente. Par exemple, Amazon, Super Mario 3D World, évidemment, on peut pas. Zelda, Breath of the Wild, on ne peut pas. Enfin, Skyward Sword, pardon, on ne peut pas. Ça, on peut, puisque c'est une carte e-shop. Tout ce qui est matériel aussi, console. On ne peut pas se faire livrer. Vous voyez, cet article ne peut pas être livré. Console de jeu, évidemment, on ne peut pas. Manette, je ne cherche même pas à savoir. J'adore. La boutique, elle s'est appelée Petite Jossie, n'expédie pas au Dom-Tom. Si t'as pas compris, voilà. Tu vois, le nom de la boutique, c'est Petit Jean Jocelyne. Elle s'est appelée Petite Jossie, n'expédie pas au Dom-Tom. Ça prouve à quel point il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de demandes en fait sur les DOM-TOM, puisque vu le prix des jeux qui sont chez nous, c'est abominable. Donc forcément, commander, c'est une solution viable. Et voilà, on peut plus commander. Alors moi, je vous donne une solution, c'est de passer par la Fnac, tout simplement. La Fnac livre dans les DOM-TOM. C'est dommage, j'aime bien Amazon, hein. Mais depuis quelques temps, c'était cher. Les frais de port étaient passés de 8,50 € à 20 € déjà d'une part. Et maintenant, c'est même plus possible du tout. Voilà. C'est même plus du tout possible. Alors j'ai contacté Amazon et ils m'ont répondu ça. J'ai demandé, bonjour Amazon, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle certes, plus aucun produit n'est livrable dans les DOM-TOM? Putain, mais les colibris, ils sont énervés, je n'aurais pas fait à bouffer. Et ils m'ont dit, bonjour, je suis navré d'apprendre cela. En effet, certains articles peuvent être sujets à des restrictions de livraison. Voilà. Donc du coup, vos clients de Randcom sont actuellement dans l'incapacité de passer des commandes sur le site Amazon.fr. Je ne sais pas si c'est volontaire de votre part ou une erreur. Je vous suggère de contacter notre SAV via ce lien. Et sur le SAV, ils m'ont répondu exactement ça. Donc voilà. Donc officiellement, la raison, c'est que certains articles peuvent être sujets à des restrictions de livraison. En pratique, c'est tout qui est restreint. Je veux dire, à part les livres, tout est restreint. Voilà. Bah, vous pouvez encore acheter des livres sur Amazon.
À la base, Amazon, ils vendaient que des livres. On revient au basique, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Comme je vous dis, actuellement, écoutez, commandez à la Fnac. En plus, c'est moins cher. Les frais de port sont moins chers à la Fnac. Et puis, c'est européen la Fnac. J'allais dire c'est français. Je suis pas sûr que ce soit français. Mais en tout cas, c'est européen la Fnac. Mais c'est un peu chiant parce que tu vois, par exemple, le D-pad contrôleur Mario, ben, il est sympa, il coûte pas très cher, il est à 17 euros. Ben, si tu le veux, tu peux pas le commander. Il y a le Pokémon, ben, à 18 euros. Tu te dis, tu vas prendre les deux packs, tu peux pas. T'as le Zelda aussi, tu peux pas. Tu peux pas. Je trouve ça un peu frustrant et je trouve ça discriminant personnellement. Mais bah, personnellement, oui, puisque je suis concerné, j'habite en Martinique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je dis privilégier la Fnac en ce moment. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otaku.fr. Et bon courage à ceux qui jouent dans les dom-toms. C'est pas facile. Après, tu t'étonnes qu'on se tourne de plus en plus vers le DMAT. Voilà. Ciao, bye bye.